Good morgen, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishma, François Fragim Khana, Janine Ruth, Batfortu de Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Kiddushin, Perek Bet Mishnah Tet. Amekadesh Be Orla, Bekile Akerem, Be Shor Niskal, ou Be Egla Arufa, Be Tziporem et Sora, ou Be Sear Nazir, ou Be Peter Hamor, ou Be Vassar Vechalav, ou Be Chulin, Shinishratu, Vazara, En Mekudeshet, Mecharan, Mekidesh, Bidmei Hen, Mekudeshet. On va parler dans notre Mishnah, avant de faire le lien avec la Mishnah précédente, d'abord je vous expose le principe très simple. On va parler de choses qui sont interdites d'en tirer profit, dans plusieurs domaines de halakha, et des choses qui sont interdites, que la Torah a interdites d'en tirer profit. Par exemple, le bassar bechalav, il va être évoqué là au milieu. Bassar bechalav, c'est quand on a fait cuire le lait et la viande, pas quand on les a mélangés à froid. Quand on les a mélangés à froid, c'est un issur midé rabanan. Quand on les a fait cuire ensemble, il y a un issur midé oraita. De ne pas le manger, mais non plus de ne pas en tirer profit. Même pas le vendre à un goy. J'ai pas le droit d'en tirer profit. Ça veut dire que si j'ai un supermarché où je vends de la nourriture pour goyim, et il y a là-bas de la nourriture pour chiens, où on a fait cuire du lait et de la viande, j'ai pas le droit de vendre ce produit, j'ai pas le droit d'acheter, j'ai pas le droit d'en tirer profit. C'est du lait et de la viande. D'accord? Maintenant, ça c'est le principe général parce que j'ai pas le droit d'en tirer profit. Donc si maintenant, les choses que je n'ai pas le droit d'en tirer profit, donc, pour les juifs, ces choses-là ne valent rien. De ce fait, si je vais marier une femme en lui donnant ce produit-là, même si elle a l'intention de le manger, eh bien, elle n'est pas mekoudeshet, parce que je lui ai donné quelque chose qui vaut rien. D'accord? C'est le principe général de la Mishnah. Le petit rapport qu'il y a avec la Mishnah précédente, c'est plus qu'un petit rapport en fait, c'est que dans la Mishnah précédente, on avait évoqué l'histoire d'un homme qui est marié une femme, les cinq femmes là-bas, avec en leur donnant des fruits qui ont de la gdusha tchivit. On avait vu que c'était permis de les utiliser, de l'utiliser pour marier une femme, c'est de l'argent. Alors là, maintenant, en rapport avec ça, maintenant la Mishnah va évoquer maintenant d'autres interdits où on n'a pas le droit d'en tirer non plus profit du tout. D'accord? Je commence à traduire directement. Amekadesh Beorla, celui qui marie une femme avec de la orla. Vous savez c'est quoi de la orla? La orla, hein, c'est celui qui... la orla, c'est un fruit qui pousse dans les trois premières années qu'on a planté l'arbre, on n'a pas le droit de tirer profit. Donc ça s'appelle l'interdit de orla. Bekil et akerem, kil et akerem, c'est les mélanges du verger. Plus précisément, on a un verger de raisin dans lequel on a planté dedans des légumes. Et dans ce cas-là, on transgresse, il y a un interdit de kilaïm, et là, tous les interdits d'or, les interdits de kilaïm, sont des interdits à la consommation, et aussi des interdits à en tirer profit, formellement interdits aussi d'en tirer profit, d'accord? Ça c'est kilé akerem. Ou bé shor aniskal, c'est un taureau qui a été condamné à mort. Soit, on parle d'un taureau qui a encorné un homme, un juif, il l'a tué. Ce taureau-là, il faut le lapider. C'est la Torah qui a prescrit, d'accord? À Shor Issakel, il va falloir lapider ce taureau et le Yachel Bessaro, on n'a pas le droit de manger sa viande, et la Gemara déduit que c'est pas juste un interdit à la consommation, c'est même aussi un interdit à en tirer profit, ni de lui, mais même de sa peau. Imaginez que quelqu'un ensuite, il va ensuite récupérer sa peau pour faire du cuir, il n'aura pas le droit non plus de tirer profit. Shor Issakel, il est condamné à mort et on n'a pas du tout le droit d'en profiter de quoi que ce soit, même pas pour le donner à manger au chien. De ce fait, celui qui utilise la chair ou la peau de ce taureau pour marier une femme, eh ben, il lui a rien donné. Il lui a donné quelque chose qui ne vaut pas de l'argent. Même principe encore avec la Egla Arufa. Egla Arufa, c'est la génisse qu'on a énuquée. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit le bon mot en français. Soit, si vous connaissez l'histoire, dans Parashat, enfin, Parashat de QVC, si je ne me trompe pas, où là-bas on parle, ou Shoftim plutôt, qui on parle on a trouvé un mort entre deux villes, il a fallu calculer de quelle ville la plus proche il était, et puis là-bas il fallait apporter une jeune génisse, et l'énuquer, le bedin, c'est tout un rituel qu'il fallait faire, et on l'a tué là-bas sur place, on n'a pas le droit d'en tirer profit, d'accord? Et de même aussi avec les tzipore metzora, les oiseaux du metzora, plus précisément l'oiseau du metzora qu'on a avec lequel on a fait la shrita, et qu'ensuite il a fallu asperger dans le rituel du metzora, il y avait la... Il fallait apporter deux oiseaux pour faire la purification. Un oiseau qu'on égorgeait, qu'on mélangeait son sang avec de l'eau de source, et on trempait dedans la gouda tesov et tout ça. Ce petit oiseau-là, eh ben, on n'a pas le droit d'en tirer profit non plus. Tu veux le prendre pour le chien, t'as pas le droit. Et donc,
tu l'utilises pour ensuite marier une femme, ça ne marche pas. On continue, ça c'était pour le Tzipor et Metzora. Au Besser Nazir, on parle maintenant des cheveux du Nazir. Le Nazir qui a fini sa, qui a fini son, donc sa Nazirut, il a passé ses 30 jours qu'il devait faire, ou la période qu'il devait faire, il va au Beth Amigdash, il va devoir se raser, récupérer ses cheveux. Ces cheveux-là, ils ont une doucha, Kadosh et Gadal Pera, et il va falloir les brûler sous le doud, là-bas, en faisant cuire le shlamim. Et la Mishnah m'enseigne que maintenant, on sache qu'ils sont attirés, interdits en tirer profit, ça appartient au c'est Kadosh, il faut, Kadosh et Gadal Pera, c'est à Roger, dit le Barthénora. Donc, il va falloir en tirer profit. S'il va jamais, il va falloir l'utiliser, imaginez qu'il avait une belle chevelure, il veut le donner à sa future pour qu'elle fasse une belle perruque, avec du cheveu naturel, ça n'avait pas du boutique, et ben, ça ne marche pas, ok? Idem aussi avec le Peter Chamor. Alors, le Chamor, le Bechor Chamor, c'est-à-dire le premier-né Chamor, âne d'un âne, un âneton, qui naît de la naissance pour la première fois, alors la Torah a donné la possibilité, soit tu le rachètes, ce petit âne, soit tu le rachètes sur un C, sur un mouton que tu le donnes ensuite au Cohen, le Cohen en tire profit, ou soit si tu préfères, tu ne veux pas faire le pidyon, dans ce cas-là tu prends ce petit Chamor, tu dois le tuer aussi va'arafto, et le motif D, va'arafto, tu le feras le oref, tu vas l'éduquer aussi, tu lui brises la nuque avec une hache, et tu le tues, on n'a plus le droit de tirer profit de sa viande, tu vas utiliser maintenant sa viande à le donner à madame en guise de kidushin pour qu'elle le donne à manger à ses chiens, et bien ça ne marche pas. La femme n'est pas mariée parce que tu n'as pas le droit d'en tirer profit. De même si avec le bassin bechalal, le mélange du lait et de la viande, comme on a évoqué, si tu les as cuits ensemble, ou bechulin, shinishratu bazara, encore un nouvel interdit aussi, c'est un animal chulin, profane, comme ce qu'on a, toutes sortes de viande, de mouton, de bovin, d'ovin, mais que tu es parti les égorger dans l'enceinte du Beth Amigdash, dans la Hazara. Chulin, shinishratu bazara. La viande choulin, que tu as fait la shrita dans la hazara. Dans tous ces cas de figure, la Mishnah nous dit, eh bien, elle a mes coups d'échette, la femme n'est pas mariée. Par contre, un chidouche, très important dans la Mishnah, qui me dit, par contre, si, mes haran, les guédèges, mais si toutefois, par contre, il est parti les vendre, il a trouvé un pigeon, il a trouvé un goy, il a trouvé quelqu'un qu'il ne connaissait pas à la fin, il a trompé quelqu'un, il lui a donné, tromper quelqu'un, c'est peut-être un peu plus délicat, je préfère pas m'engager, c'est peut-être que l'argent, c'est peut-être pas le sien. Ça touche à d'autres problèmes, je rectifie. Mais imaginez qu'il a trouvé quelqu'un qui s'en moquait, ou un goy, il lui dit, allez, vends-moi ta viande de Bassar Bechalav, ou vends-moi ta viande de Peter Chamor. Et il a revendu, il a récupéré l'argent. Question fondamentale. Est-ce que cet argent aussi, il est interdit, en tirer profit ou non? La Mishnah me dit, eh bien non, mes coups d'achat à lui marier. C'est très important hein, de bien discerner, c'est un grand ridouche. Il y a dans d'autres domaines de la d'autres interdits en tirer profit, par exemple la Avodah Zara. Imaginez que quelqu'un, il a une statuette chez lui, de Avodah Zara, ou il a une petite crevette Avodah Zara, quelqu'un qui a fait une offrande à l'Avodah Zara, et ensuite, il s'est retrouvé à récupérer la nourriture chez lui, par exemple, il va vendre cet objet-là à un goy, et récupère son argent. L'argent, il a interdit à en tirer profit, parce que l'Avodah Zara, elle est aux facettes d'Améa. L'argent, la contrepartie de l'Avodah Zara aussi, elle devient interdite comme la chose elle-même. C'est un peu comme la chevite, vous savez que si vous vendez les fruits de chevite, l'argent que vous allez recevoir, c'est aussi de l'argent du chevite. Et de la gusha de vide, vous trouvez l'argent de gusha. Il aime aussi avec la vodazara. Vous vendez la vodazara, l'argent, il devient vaïta chérem kamou, la Torah l'a dit. Et donc l'argent, il est tout fait cette dame. Par contre, pour tous les interdits de profit qu'on a évoqués dans le Mishnah précédemment, eux ne sont pas tofsim et damav. Ne sont pas l'argent, la contre-valeur d'argent ne va pas devenir interdite comme l'objet lui-même. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.